Les enfants et des écoles, et surtout des écoles bilingues à Miami, qui sont des écoles françaises et américaines. Et lors de ce combat, que je menais depuis près d'un an, j'ai eu le soutien immédiat des conseillers consulaires et des députés des Français à l'étranger et des sénateurs. Et je les remercie beaucoup ce soir. Jackie de Romédy, qui représente, qui est sénateur des Français de l'étranger. Jackie de Romédy. Bon, bonsoir à tous et merci à Jackie d'avoir eu cette initiative. C'est un plaisir pour moi en tout cas et pour nous tous de vous voir ici. Moi je suis une nouvelle élue donc je ne connais pas encore bien. Ceci dit on est quand même là pour vous entendre, pour vous écouter, pour savoir ce qui va bien, c'est bien que vous nous disiez, mais ce qui va mal, c'est parce qu'on est là pour vous défendre, on est là pour aider à faire passer les lois, en tout cas nous les sénateurs. Bonne soirée. Merci. L'UFE, à Paris, l'UFE Monde, on l'appelle, vient aussi de se relancer. Elle se relance sur une nouvelle base. Elle a été créée, ça a été dit, en 1927. Donc c'est une vieille association qui avait besoin. Il y a beaucoup d'autres qui appartiennent aux communautés françaises et sportives. En 1947, pour rappeler qu'elle est à l'origine de la création de ce qu'on appelle maintenant l'Assemblée des Français de l'étranger, l'Assemblée représentative des Français de l'étranger. Elle est à l'origine aussi de la création de la caisse, très largement des Français de l'étranger, dont on a parlé d'ailleurs au symposium des conseillers du commerce extérieur. Vous voyez qu'on est à la fois dans l'ancienneté, mais aussi dans l'actualité et la modernité. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'UFE à Paris, l'UFE Monde, est en train de prendre un virage. Le virage est un domaine du 21e siècle. Avec la même motivation, être au service, à l'écoute de nos compatriotes. Allez. Il est arrivé avec une sirène, il est là. Merci Roger. Moi, je voudrais remercier Eric du travail qu'il a fait cette soirée. Je vais l'applaudir. Mes collègues sénateurs aient accepté de prendre un peu sur leur temps de travail au Sénat approfondi. Bien noté que nous avions une chance immense de les avoir parmi nous ce soir. Ils ont bien voulu sacrifier un peu de ce travail approfondi au Sénat. Donc merci Jackie et merci Louis. Remercier évidemment Franck de sa présence, conseiller consulaire. Remercier Xavier. Vous avez remarqué que Xavier, qui préside l'UFE, n'a pas pris la parole, mais de là-bas, il fait des gestes à peu près toutes les 5 minutes pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Donc chacun aura reconnu le caractère de Xavier. Mais ben, tout ça pour vous dire que moi je suis très heureux d'abord parce qu'il y a un bon esprit ici à Miami. Je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux parce que nous sommes un samedi soir et qu'un samedi soir se réunir tous ensemble en famille. Mais ça veut dire en famille de l'UFE plutôt que chacun de vous en famille. Je sais que c'est un effort que vous avez fait les uns et les autres, et je crois que c'est important. Louis vous a dit tout à l'heure que l'UFE, c'était une association qui comptait dans le monde, et c'est essentiel que l'UFE renaisse à Miami.
sur le dossier des écoles, c'est bien parti, on peut le dire. On est parti d'assez loin, mais je pense que le point d'arrivée va être positif. Vous savez, puisque Roger l'a relayé très largement, que le gouvernement s'est engagé auprès de moi dans l'hémicycle à ce qu'on donne un délai d'un an pour qu'il y ait des ajustements nécessaires, qu'on puisse conserver l'homologation. Il y a trois établissements qui, d'ores et déjà aujourd'hui, seront homologués à nouveau, il n'y a pas de difficulté. Il reste encore quelques difficultés sur Sunset et sur Carver. On va avoir un an pour ajuster. Il va falloir évidemment, et Roger, je lui ai dit, je serai à vos côtés pour obtenir du gouvernement qu'on sorte toute forme d'incohérence, parce qu'il faut bien le dire, on a un dispositif, un système qui fonctionne à Miami depuis des années avec des résultats exceptionnels, que le gouvernement français veut dupliquer. C'est un paradoxe, puisque finalement ce qui se passe à New York avec les charter school, les public school ailleurs, c'est finalement exactement le système qui existe ici. Et au moment où le gouvernement français, à travers la diplomatie, le développe ailleurs, on vient le fragiliser ici, à Miami. C'était vraiment parfaitement incohérent. La difficulté, il faut que vous sachiez les uns et les autres, elle vient du fait qu'au gouvernement, vous avez à la fois le ministère de l'Éducation nationale qui met son nez dans le dispositif, et en même temps, l'agence qui, elle, dépend du ministère des Affaires étrangères. Et donc, l'exploit que j'ai réalisé grâce à Matignon et au Premier ministre, c'est qu'on les a fait travailler ensemble, ce qui n'est quand même pas si courant que ça. Je parle sous le contrôle de Louis, qui connaît si bien les questions d'éducation à l'étranger, et qui a, de surcroît, été chargé, notamment sur un autre dossier sur lequel j'essaye d'agir au quotidien, pour vous aider, le dossier des bourses, de représenter le Parlement dans la Commission nationale des bourses. Moi, j'étais à Washington il y a quelques jours pour, à l'invitation du consul général de Washington, travailler sur la question des bourses. J'ai fait part, j'en profite, je vous le dis, de l'engagement qui a été pris dans l'hémicycle par le gouvernement, en l'occurrence par le ministre Macron, à bon endroit, que le 401k sera à nouveau sorti du système, parce qu'ils avaient intégré dans le dispositif de calcul des bourses le 401k. Évidemment, si on faisait la même chose en France et qu'on mette le système de retraite, de paiement différé du travail, c'est-à-dire le système de retraite français, dans le calcul des bourses, il n'y a plus beaucoup de gens qui auraient des bourses en France. Donc, a priori, je pense qu'on devrait assez rapidement abandonner, en tout cas c'est l'engagement qui a été pris auprès de moi, abandonner ce système absurde. Ensuite, il y a sur la question de l'éducation, j'en profite, je dis sur les différents sujets, parce que je sais que c'est important pour vous tous, la question des détachements. Sur la question des détachements, on a un vrai problème, parce que à Paris, au ministère, on considère que les professeurs coûtent cher, alors qu'en réalité, ils sont payés par les établissements ici, simplement parce que on anticipe ce qu'ils coûteront au moment de la retraite. Et malheureusement, la décision, la conséquence de ce constat, c'est qu'il y a une forme de désinvestissement de la France, puisqu'on limite le nombre de détachements, et que les dernières nouvelles ne sont pas très rassurantes. Moi, je veux dire combien je me battrais sur cette question, parce que, au contraire, la France, son devoir, c'est d'investir dans l'éducation des jeunes Français à l'étranger. C'est son devoir et son intérêt. Si on veut un avenir mondial à la France, il faut s'appuyer sur la jeunesse de France qui est à l'étranger. Et si on n'investit pas sur cette jeunesse, en réalité, elle va se couper de la France, ça sera une perte pour le pays. Donc, l'intérêt du pays, c'est au contraire d'investir et d'investir fortement sur l'éducation des Français à l'étranger. J'étais il y a quelques jours à Paris, à l'Assemblée nationale, où je réunissais 250 jeunes français de tous horizons, des jeunes de banlieue, des jeunes qui n'avaient pas de diplôme, des jeunes qui étaient en apprentissage, des jeunes qui étaient au contraire extrêmement diplômés.
Et le message que je leur ai donné, qui est l'exact message inverse de celui qu'ils entendent toute la journée en France, c'est partir à la conquête. Parce qu'on a besoin d'une jeunesse de France qui part à la conquête du monde. L'avenir de la France est mondial. Et vous savez, ce qui est désespérant parfois, je pars sous le contrôle de mes amis sénateurs, c'est que le débat en France, dès qu'on sort des frontières de l'Hexagone, on a l'impression que l'Europe fait peur et que le reste du monde terrifie tout le monde. Alors que la France a tous les atouts pour réussir. Et qu'on oublie notre histoire. Que si au XVIe et au XVIIe siècle, il n'y avait pas des jeunes Français qui étaient partis à la conquête du monde, on ne parlerait pas français sur tous les continents. Et c'est notre principal atout pour le futur. Donc aujourd'hui, chacun doit avoir en tête que l'avenir de la France est mondial pour une raison simple, c'est que le monde est tout petit. Avec Internet et avec les low cost, j'en parlais avec les jeunes l'autre soir, ça leur coûte moins cher de partir à l'autre bout du monde que d'aller d'une région où ils habitent à une autre en France. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc, on doit tenir compte de cet atout pour notre pays, alors que nos savoir-faire sont reconnus dans le monde entier, que nos ingénieurs sont reconnus parmi les meilleurs, que nos chercheurs sont reconnus parmi les meilleurs. Et il y a ce mauvais réflexe de considérer qu'on ne doit s'occuper que des Français de France. La France, elle est en France, mais elle est partout dans le monde. Et l'intérêt de notre pays, c'est de bien prendre en compte cette réalité. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. À rajouter vraiment, profitez bien de votre dîner et surtout, n'oubliez pas d'adhérer à l'UNEF. Thank you.